Il doit pas être loin. Je sens bien cette maison là, ça savez quoi? Pourquoi je me sens visé quand tu as dit ta phrase? Ah, on se demande. Appelle le dingue de capacité, oui. Oh, c'est quand même carrément de la triche ce qu'on est en train de faire. Hein. On est d'accord que c'est complètement de la triche. On va lui apprendre toutes les capacités, gros. Mais en vrai, je suis choqué par contre parce que... Étoile. Attends, c'est tout? Mais vous m'avez mytho? Attends, c'est pour se rappeler des capacités, ça. Y'a pas le mec pour en apprendre des un peu uniques? Mais là, en fait, c'est pour se souvenir des capacités. Bon, je vais aller voir sur Poképédia. On va aller voir sur Poképédia. Alors, comment il s'appelle? Lux, mon cul, là. Luxio. Luxio qui devient Luxray. Alors, croc de feu. Septième génération, non. Je veux pas la septième génération, en fait. Pourquoi ça donne que la septième génération? Ah, on peut choisir, attendez, alors la 4. Les mecs, il apprend pas croc de feu. Hein. Vous m'avez full mytho. Il apprend pas croc de feu dans Diamant et Perle. Putain, vous m'avez encore une fois, vous m'avez baisé. Hein. Pourquoi je fais confiance à mon chat en même temps? Mais à chaque fois, vous me faites des coups bizarres. En mode, nous, on connaît Pokémon par cœur, Dazer, c'est notre vie. On est des stratèges. Ah bah voilà, on voit ça. Hein. Il apprend pas croc de feu. Hein. Ah, je me suis complètement fait baiser, là. Ah, vous m'avez juste fait balancer des cheats. D'ailleurs, attends, mais... Il n'apprend jamais, croc de feu, en fait. Mais vraiment, il apprend... Impossible de lui apprendre croc de feu, hein. Je sais pas d'où vous le sortez, son croc de feu. Ah, attendez, si on peut... Oh, putain... C'est pas ref. Oh non, c'est pas ref. Alors là, je suis pas dans la merde. Hein. C'est pas ref. C'est pas ref. C'est pas ref. Il l'apprend par ref. Ah donc Luxray est vraiment inutile en fait. C'est juste un Pokémon, il me faut un... Ouais. Oh, alors là j'ai plus aucune raison de le garder. Franchement les gens, je vais être sincère avec vous, j'ai plus aucune raison de garder Luxray dans mon équipe là. Non mais les gars, vous allez arrêter avec vos codes, vous commencez à me saouler avec votre cheat là. Ah, vous devenez pire que moi. J'ai envie de chercher ma sauvegarde. On va charger, je crois, parce que là c'est abusé quand même. Le problème, c'est que j'aurais besoin des super bonbons dans tous les cas pour les Pokémon. Ouais, bon, on va laisser, c'est pas grave. Ah, bordel! Ah, vous m'avez bien niqué là. Alors là, je vous félicite pas. Salut Sora. Putain, mais vous me l'avez tellement mis à l'envers là. Proponita, mais non. Oh putain. Mais là, le Pokémon, il va m'être inutile, en fait. Oh, mais on va jamais réussir la Reine Glace. Hein. On n'est pas équipé pour... Impossible. Il n'y a pas moyen qu'on la passe, là. Ah, je regarde ça, on est dans la full merde, là. Salut, Nox. Après, il y a combat, mais... Euh...
Ouais, c'est un Pokémon qui va tout faire, quoi. On est foutu. Y'a ton four possède. Ouais, il a une attaque feu, mais bon. La reine glace, c'est la prochaine. Non, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière, mais là, c'est pas là. Bah ouais, du coup, là, c'est la dernière. Normalement, c'est la dernière. Je crois. Ah, je suis dégoûté. Non, mais les gars, Motisma, il... Non, non, c'est pas bien, Motisma. Ah, je suis déprimé. Ah, mais dès que vous... Mais voyez, mais même vous, le jeu, il est pas bien non, quand il vous rapprend des trucs. La reine glace, c'est l'avant-dernière. Bah, c'est la prochaine, alors. Ah, là, on est foutu. Alors, on va foutre... Voilà les super bonbons. Pamitsuna devrait carrer, plus ou moins. Bah, je sais pas franchement, Else. Parce que je me dis, ça va être chaud qu'elle arrive à elle seule, à carry toute la team. Bon, il n'y en aura que 3, tu me diras, des Pokémon. Mais ça va être tendu, quoi. Oh, de toute façon, on a 900 potions. On a 900 rappels. On s'en bat les couilles. T'as Riolu. Non, j'ai pas de Riolu, moi. Ah merde, j'ai pas pris force. Bon, c'est pas grave, on verra bien. On s'en fout. On s'en fout. Onyx, ta mère. Je sais pas à quoi ça sert de venir ici. Y'a quoi d'intéressant à récupérer en vrai? Y'a pas des CT cool? Et par des CT cool, j'entends genre, je sais pas, demi-tour. Ça pourrait être bien, ça. On m'avait dit qu'il y avait Riolu, mais bon, en vrai, Riolu, il serait carrément mieux que Cradopo, je pense, mais tellement mainstream. Mais je l'aime bien, Riolu, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, mais... Bon, j'ai pas envie d'avoir Riolu dans ma team, quoi. Après, j'avoue que Cradopo, là, sa défense... Je pense que Riolu a de meilleures stats, quand même. Hein. Mais la défense et la défense P de Cradopo, ça me fait mal au cœur. On fait un combat, s'il te plaît? Tu es poli la personne. Adrien. En avant, on a Kama, Adrien. Oh là là. Tu as la CT que de faire dans cette grotte? Ouais. Séverine. J'aime bien ce prénom. Bon. Vous m'avez dit qu'il y avait les combats en duo avec l'autre mec là. Merde. Allez, 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 hop. Max repousse. Oh putain, ça c'est une bonne idée, tiens. Ah merde, mais attends, ils sont quel level les Pokémon qu'on rencontre? S'ils sont plus haut level que moi, ça sert à rien. Ils sont level 32. Oh, ça va. Ça peut aller. Je gère ça. Que de faire, ça sera pratique contre la glace. Attends une minute, mais je pense à... Non, c'est pas une idée, bonne idée par contre. En fait, j'étais en train de me dire maintenant que j'ai... Ah non, mais ouais, ouais, c'est dangereux ça. Maintenant que j'ai un objet de chaque dans mon inventaire en 900 exemplaires, je pouvais mettre un multi-ex, pas tout le monde. Mais en fait, c'est pas du tout une bonne idée. Parce que vu que ça répartit l'XP, ça se fait que tout le monde aurait que 30 XP, quoi. Ce serait de la grosse merde. Ce serait vraiment une idée à la con, ça. Que de faire serait pratique contre la glace. On verra qui pourra la prendre, en vrai. Parce qu'après, ouais, j'aurais pas l'augmentation via via le type d'un Pokémon, mais ouais. Ce serait déjà ça. Bordel de merde. Mais putain, mais donnez-moi des shiny au moins! Si c'est pour que je rencontre tout le temps des Pokémon nuls! Tu as 9 chances pour l'XP. C'est vrai.
T'as pas toutes les CT? Non, j'ai pas pris les CT, les gars. J'ai pas. Après, oui, je peux faire des codes comme ça, hein, mais bon. Là, c'est vraiment full YOLO. Bon, vous me direz, est-ce que c'est pas déjà le cas? Mais bon. Ah, il est là. Content de te voir ici, Dazer. Faisons équipe, les Pokémon ont l'air agité ici. Cool. Ah, oh, il me laisse pas le choix en plus. Oh là, je suis content, ça c'est cool. Ça, c'est les bons spots pour XP. En vrai, j'ai envie de mettre un 9 chance à chacun de mes Pokémon là. Oh, lui là, un Lucario. Putain, il me donne envie d'avoir un Lucario. Quand je me vois à côté avec mon Pamitsuna là, c'est pas la fête. Hein. Ah mais attendez, Pylody a évolué, faut que je la mette en Aquapack. Voilà. Ok, voilà. C'est bon, c'est une Aquapack. Il est mastoc à quoi sur l'image, bon c'est pas grave. Ou Raichu. En vrai Raichu mec serait pas con. Hein. Parce que maintenant qu'on a vu qu'on s'en battait les couilles de Luxray, franchement partir sur un Raichu ça me dérangerait pas. Le problème c'est que Wesk. Oh mais oh, ça va jamais chier. Il y a toujours un truc qui vient. Bon, la question serait du coup, où est-ce qu'on trouve un Pikachu? Est-ce qu'il y a des Pikachu dans le jeu déjà? Je trouverais ça dégueulasse que les dresseurs adverses puissent avoir des Raichu et pas nous. Là, ce serait vraiment. Ça me ferait vénère. Putain, cool. Raichu n'est pas dingue et il est dur pour l'obtenir. Manoir Pokémon. Ah! Ah bon, Manoir Pokémon? Quand j'étais gosse, je préfère Raichu à Pikachu. En grandissant maintenant, j'ai plus trop de. Raichu d'Alola est ultra stylé. Hein. Raichu d'Alola est grave stylé. Ouais, cette grotte c'est un bon moyen pour XP quand même. Ça fait plaisir d'être avec Armand. Oh là là, pour le coup, maître Armand, il nous est plutôt utile. On l'utilise, mais faut pas lui dire. Tu cherches un Pokémon électrique? Bah, maintenant que j'ai vu que étoile, bon voilà, c'était ce que c'était. Ouais, je pense. Mais moi je veux un Pharamp! En vrai, je me demande s'il n'y a pas moyen de mettre des cheats pour avoir des Pokémon d'autres générations. C'est le nez de Tarinor. Voltali. Ghost Dazer a l'air plus malin. Je t'emmerde! Pharamp il est dans le jeu. Ah bon? Mais non. Mais tu le sors d'où? Ah, il est pas dans le jeu, j'ai déjà vérifié. Il est pas dans le jeu. Ah, j'ai déjà vérifié, mec, t'inquiète pas. Mais il y a peut-être moyen de le mettre via des cheats. Comme après, il y a eu Herzgold. Peut-être qu'on peut l'ajouter via les échanges. Et donc, par conséquent, l'avoir. J'ai pas vu ce qu'il allait envoyer, mais Balek. Onyx, parfait. Insupportable, gars. Après, je peux faire popper un Pharamp dans une herbe, quoi. C'est pas un problème, ça, mais c'est pas legit. Mais en même temps, j'ai envie de jouer avec Pharamp, putain. Je sais pas s'il a des bons stats, Pharamp.
Il est trouvable mais pas tel quel. Ouais, mais il y a des cheats quoi. L'énergie est trouvable, mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Bon les mecs. Écoutez les mecs, on va sortir de cette grotte et partir à la recherche de Monsieur l'énergie. T'as eu 900 balles avec ton cheat? Oui, et c'est probable. Non, non, les baisses c'est à part, les baisses c'est un menu à part. Donc j'ai pas 900 baies. Parfait pour les pauvres. Non, 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 jamais de la vie. N'empêche, c'est tellement plus amusant de jouer à un Pokémon avec des cheats, franchement. En vrai, dès qu'il y a un truc qui t'emmerde ou qui va pas comme tu veux, hop, c'est réglé. Franchement, les cheats, en vrai, c'est trop bien. Encore, moi, j'essaie de me limiter, hein. J'essaie vraiment de me limiter. Mais, l'énergie, c'est dans pas mal de temps. Ah bon? C'est pas maintenant la route 222? Ça me rend triste que vous me dites, là. Aux éoliennes. On a passé les éoliennes. Les super bonbons, ouais, c'est vrai ça. On va retourner aux éoliennes alors après. Parce qu'en vrai, on va faire une arène glace. En plus, Farum serait un Pokémon spécial et pas physique. Ça fait un plaisir ça. Alors là, je m'en bats les couilles, il va lancer des séismes. Armand, il va bien se faire enculer. Avec son Lucario là. Route 222. Donc route 222, c'est l'endroit où il y a les éoliennes. Mais non, comment ça le légendaire? Vous m'expliquez pourquoi ça fait un coup critique sur mon allié et pas sur mes ennemis? Jeu de merde. Faramp, il est bien solide en plus. Ah, mais je veux un Faramp. Ouais, mais putain, le légendaire, c'est pas maintenant. Hein. Mais tu connais vraiment toutes les routes de tête, hein, Perashield? Mais un Perashield, il dit que la route 222, faut avoir récupéré le légendaire. Il dit qu'on n'y a pas accès. On y a accès ou pas, Niette? Parce que toi, t'as l'air de dire que c'est bon. Je crois pas. Hein. Putain, mais c'est pas que de faire ça. Mais aimants, mais je m'en fous les aimants. J'en ai 900 dans mon inventaire. Je viens de regarder. Ah merde. Bon bah, ça sert à rien d'y aller alors. C'est post-league. Putain, mais les gars. Mais post-league. Et moi, c'est pas post-league, c'est maintenant que je veux. On peut le faire apparaître n'importe où, mais ça c'est autre chose. Ce soir, en vrai, c'est très énervant. Ce soir, en vrai, en fait, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Vous voyez, au début, j'étais plutôt positif sur le jeu. Enfin, plutôt positif. J'avais un avis qui... Je me disais, bon, j'aime pas la génération parce que pour plein de raisons. Mais j'arrivais à avoir un point de vue objectif dessus qui faisait que je disais, bon, le jeu, voilà. Et franchement, plus on avance, plus cette génération m'énerve. Plus elle arrive à m'énerver de plus en plus. En gros, à toi, t'es dispo aux éoliennes. L'énergie, par contre, faut. C'est pas grave alors s'il y a Watt Watt. Moi, s'il y a Watt Watt, ça me suffit.
Mais franchement, plus on avance, plus le jeu commence à me... Voilà. Attends, il a qu'un seul Pokémon, Armand? Mais il est sérieux, là? Oh, mais merci à Quapquack. Franchement, je... Oh là là, ça fait du bien d'avoir un Pokémon haut. Un Pokémon haut qui fait du bon taf. Oh là, ça fait tellement du bien. Oh, des combats. Ouais, toi, t'es trop à bosser aux liens, mais uniquement en utilisant le poké radar. Oh non. Sonata Furude, t'es censé nous apporter des bonnes nouvelles en mettant tes messages en avant. Ça c'est pas... Oh non mais bah, oublie-toi, c'est bon. Vous m'avez, voilà. Vous avez gagné, il y aura pas de Watt, c'est bon. Il y aura pas de Watt. Oh bordel. Oh, vous en ratez pas une vous hein. Dès que vous avez moyen de péter l'ambiance, là vous êtes les premiers hein. De toute façon, t'as Watt et c'est reparti. Oh bordel, sacrifice. Ça le tue au moins, ça. Ou y'a que moi que ça tue. Mais bordel, l'XP elle va aller où? Ah, c'est bon, on me la laisse la redistribuer. Bah, pas Mitsuna direct. Hein. Là, c'est le. Pas Mitsuna, en vrai, c'est le Pokémon que je devrais bourrer niveau level. Hein. Parce que on va en avoir besoin pour la prochaine arène. Tu sais que ce qui serait bien, qu'on te fasse un don pour Summon. Les gens, vous voulez pas me faire des dons pour que je fasse des invocations dans Pokémon Masters? Ah mais c'est pour les vidéos hein. Ce serait pour les vidéos hein, c'est pas pour moi, c'est pour les vidéos avant tout. Potion max. Mais ils sont où les putains de queues de fer? Oh là là. Moi il y a pas de shiny, je me barre. En vrai, imaginez il y a un shiny qui pop avec l'autre bolos là qui attaque à tout. Alors ça me rendrait fou. Mais imaginez juste il y a un shiny qui pop là alors qu'on est accompagné d'Armand qui peut attaquer les Pokémon aussi. Oh, franchement, je fais un malaise. Alors là les gars, je balance un shit qui fait que tous les Pokémon sont shiny constamment et je l'annule jamais. Vraiment. Allez Lucario, dégonne pas. Pas tout le temps des coups critiques lui. Oh, la team Galaxy. Bon, je sais pas par où je dois passer. Putain, je dois tout revenir en arrière. Ah, oh, c'est terrible ça. Ah ouais, vous savez que si je tombe sur un Gravalanche Shiny, je le tue direct. Mets des repousses. Eh mais en vrai, vous me stressez. Eh, je suis pas méchant sur l'orthographe. Hein. Mais vous me stressez de ouf. À écrire un mais dans le sens maître, M-I-S. Ça, je trouve ça plus choquant que la stratégie d'un Pokémon, vous voyez. Donc chacun son univers, écoutez. Ou alors tu voulais dire, mais des repousses.
Ça se trouve, tu disais en ce sens-là. Genre, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Mais des repousses! Ah mince, j'ai tapé, ça, ah, j'ai tapé le micro tellement j'étais énervé. Vas-y, je prends la fuite, ça me saoule. J'ai pris la fuite, ça veut tout dire ça. C'est quoi, on va mettre Elodie en tête. On n'arrête pas. Non mais Lucario attaque le dinosaure. Oh là là, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Ah lui il est pas stratège. Hein. Lui c'est pas un stratège Lucario. De toute façon il va mourir. Ah non, c'est bon, il survit. Apparemment il doit être grave vénère que je bute tout le temps son Pokémon avec Surf. Heureusement que t'as les... Putain mec c'est pas con ça, corde sortie dès qu'on a fini. Ah je vais bourrer là. Qu'est-ce qu'ils me veulent alors? Si nous nous battions tu deviendrais un meilleur dresseur, de la même manière que les Pokémon dans la plus puissante. Des Pokémon forts, des dresseurs puissants. Dis-moi où je pourrais trouver un lieu aussi bien que celui. Ok. Oh là là, toute une team. Oh là là. Oh, ça va être long. Vas-y, bats les couilles. Vas-y, surf. Je m'en bats les couilles. Attendez, mais je peux avoir que Lucario comme allié. C'est pas... Ah merde, c'est con ça. Ah, je vais tuer mon allié. Je vais tuer mon allié. Pardon Lucario. C'est pas ma faute. Désolé Lucario. C'est pas ma faute à moi. Pour récupérer Yolo, il faut une place dans l'équipe. Comment ça? Non mais on récupérera pas de Riolo, on est déjà très bien là. Lockpin, je crois qu'il est normal. Je crois qu'il est normal. Je partais sur un type combat au début, mais il me semble qu'il est normal. Oh non. Oh bordel de merde. Ah, c'est moi que ce jeu veut endormir là, vu les combats, comment ils sont ennuyants. Et voilà, il s'est endormi. Oh, c'est terrible ça. Hippopotasse. Elle me fait marrer ce Pokémon. Vas-y, on va attendre qu'Elodie se fasse tuer, on passera sur Adrien. C'est exactement ce que je voulais faire avec Adrien. Il tue son allié le con. Du coup parce qu'en vrai là Lockpin va mourir tout seul. Ouais. La prononciation de Lockpin et Darkrai m'étonne. Oh non, me dis pas qu'une Darkrai.
Moi, je dis Darkrai. Lockpin. C'est vrai que ça devrait se dire Lockpin. Mais c'est moche, Lockpin. Lockpin, c'est plus rigolo. Mais c'est comme le Pokémon, il a une allure féminine. J'ai envie de dire Lockpin. Eh, tu sais quoi, je suis sûr que c'est vraiment ça. Le background derrière, pourquoi je dis Lockpin. Oh bordel. Mais non. Évite l'attaque. Il m'endort, le jeu m'endort. Le jeu est en train de m'endormir. Il est vraiment vénère cet oiseau. De toute façon là je suis mort, alors j'aurais besoin de rien faire. Il est minuit aussi, ouais minuit 30. Oh c'est pas quelque chose qui me gêne normalement ça. Vu mes horaires de vie. Ou ça dépend. Ça dépend franchement. On va attendre de sortir de la grotte et je pense qu'on s'arrêtera là. Peut-être qu'on ira chercher Watt Watt, quoi que maintenant vous m'avez un peu déprimé avec Watt Watt là. Mais moi je peux pas garder étoile, c'est pas possible. On va mettre Adrien. Ah merde, mais le poulet il va pas se faire toucher par séisme. Oh putain. Ah j'avais oublié ça. Portel ça. Ah les. Vas-y, bats les couilles, séisme. Je m'en bats les couilles. Putain, il fait super mal. Attends, mais pourquoi il m'a fait aussi mal? Il est quel level? Ah, je suis choqué par son level, par enfin, sa stat. Ouh, Charmina va prendre cher. Il a survécu, putain. On va mourir par la tempête. Ah, c'est con ça. Oh, le cumul de tout, quoi. Lilou. De toute façon, là, je vais mourir. Salut Kiroa. Ah oh, Kiroa, le jeu il me fatigue, hein. Le jeu il est fatigant, c'est terrible. Et le chat aussi il est fatigant. Hein. Ils sont tous fatigants, tout le monde est fatigant ce soir. Kiroa, on a eu un seul badge. On n'en a eu qu'un. On avance terriblement lentement là. Ça va plus. Alors on est face à du psy et face à du vol. Bon allez, balai avec vol. Qu'est-ce qui se passe? Kiroa, le jeu il est méchant. J'ai un peu farm. Quand tu verras mes objets, j'ai un peu farm. Je vais les nettoyer au moins. Aïe aïe aïe. Oh attention! Ah, ça va faire mal ça. Il fait vachement mal, je trouve. Arrêtez avec les badges. Oh non, pas le nettoyage de badges. C'est toi qui a voulu faire la grotte. C'est vrai que c'est chiant. C'est une mauvaise idée. Vous savez quoi, la grotte, c'est vraiment une mauvaise idée. Parce qu'elle est en train de m'endormir, cette grotte. Mais je sais pas, je trouve, plus on avance, plus les combats me paraissent lents, longs pour rien, d'un ennui. Avec le surlevel illogique des ennemis qui arrivent là. Qui était, il me semble, pas présent dans Diamant et Perle, parce que je me rappelle pas ça. Alors je sais que j'envoie un Pokémon combat contre un Pokémon psy, mais vous avez oublié que je vous emmerde. Et ça, c'est le plus puissant des coups. Le problème de platine, c'est le surplus de dresseurs et de Pokémon sauvages. Ouais, et d'animations ultra lentes qui servent à rien et qui... Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir rushé, enfin quoi que je suis peut-être un peu. Si ça sert à rien de les nettoyer, laisse-les dans la merde. Ça sert à rien clairement, ça sert vraiment à rien. Putain alors là, bon vous allez me dire, Dazer il t'ont presque niqué toute ta team. Je tiens à rappeler quand même qu'à la base c'était un combat double et que mon allié est mort dès le début. Bon aussi par ma faute mais ça c'est un détail. Psy il craint de ténèbres. Voilà.
supprimer les animations. Ah ouais, mais là, ce serait quand même... Là, c'est gros quand même, retirer les animations. Oh putain, ce combat, il était infernal. Je comprends maintenant. Si les Pokémon s'agitaient, c'est à cause de vous. Je me fiche des raisons de votre présence ici. Je veux juste que vous laissiez ma mine tranquille. Laissez les Shiny tranquilles. En vrai, ça aurait été trop drôle que je trouve un Shiny avec Armand dans l'équipe. Ça, ça aurait été un signe, hein, t'imagines. Je suis avec Armand. Je veux dire, le Armand, et je trouve un Shiny. Le hasard n'existe pas, à un moment. Oh putain, ça recommence. Bon, alors cette fois, je vais pas tuer mon allié. Hein. On a dit, cette fois, on ne tue pas. Ouais, c'est l'île de fer qui roi. L'île de l'ennui. Hein. On aurait pu appeler ça comme ça aussi. Bon, je sais plus ce qu'ils sont. Je sais plus ce qu'il est le Pokémon chat, je crois qu'il est normal. Du coup, en vrai, Balek. C'est ça, 2 contre 1, mec. Oh putain, c'est bien ça, c'est bien. Pour l'animation, encore moins à mon point. La 5ème G a amené les animations de posture et ça c'était cool. Les animations de posture. Comment ça, tu veux dire les Pokémon qui sont en mode. Qui bougent comme ça là. Je trouve ça trop stylé. Ça les rendait tellement vivants. C'est pour ça que le sprite. Les sprites d'un Pokémon les sprites d'un Pokémon noir et blanc, ils sont tellement détaillés. Je trouvais ça ouf. Le détail apporté au sprite. Je me souviens avoir farmé des heures et des heures dessus, mais pourquoi, je sais plus. Je dis le type de Shaglam, pour moi il est normal. Donc je m'en fous dans tous les cas du type, je m'en fous. C'est comme les GNIRL, ça détermine ta valeur en tant que personne et ton mérite du respect des autres. Oui, plus ou moins. On était toujours... Ouais, non, mais je suis d'accord, dans Noir et Blanc, les sprites, ils étaient ouf. Hein. Parce que je trouve vraiment ça poussait le détail de l'animation à un point quand t'es pas atteint sur DS en termes de pixel art. Vas-y, Balek. J'aurais pas dû faire surf en fin de compte, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça Moufouette, il prend un bain. En vrai, je suis trop content d'avoir un Aquacoque dans mon équipe. Parce que je joue jamais avec. Et c'est un Pokémon que j'apprécie sans pour autant l'aimer, hein, mais je l'apprécie. Attends, quoi? Boost de... Une auto-hypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stade de terrain. Oh non, 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 moi je joue pas avec des trucs chelous comme ça, là. Moi, taper, hein. Et c'est bon. Putain, Elodie qui va devenir le Pokémon le plus haut level de mon équipe, quoi. Ils sont trop puissants. Aïe, 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 je les ai déboîte. Allez, barrez-vous. Je te donne Fier Chandelche. Écoute, j'ai un œuf de Pokémon ici, tu voudrais bien le prendre avec toi. Ah, c'est Riolu. Bah, attends toute ta vie, hein. Moi, je m'en bats les couilles. Oh, mais imaginez, genre, j'active un cheat pour le rendre shiny. Le mec, il pense qu'au shiny. Tu sais, ça devient maladif à un moment. Ça devient vraiment maladif. Mais c'est quoi ce son affreux? Oh, mais plus jamais ce son.
Mais what, on a fait un pas. J'ai fait un pas. Un seul. Un seul et unique pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. C'est bon, je marche, hein, on m'avait saoulé le jeu. Ah, il y a que de faire, je crois. On va sortir où? Putain, il y a deux chemins, je sais pas à quoi prendre. Ah non, pas du tout. Mais j'ai jamais eu que de fer, et vous m'avez menti. Il y a pas que de fer ici. Mais il y a que des gravalanches. Par contre. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'autant je déteste gravalanches, autant son évolution elle est cool, je trouve, visuellement. Peau métal. Putain, elle est bizarre cette salle. Elle est bizarre. Il y a moyen de faire un Pokémon avec les couleurs de Shiny inversé. Et Pokémon Shiny inversé. En gros, un Pokémon pas Shiny, quoi. C'est ça que tu veux savoir. Le soleil! Ah non, c'est vrai, on est de nuit. Oh putain, la liberté. Hein? La salle de Régis-t-il? Mais non. Attends. Dans Diamant et Perle, il n'y avait pas Régis-t-il, Régiroc et Régice. Je sais que ça se dit Régis-t-il, mais me faites pas chier, je vous emmerde. Ah ouais? Parce que moi je me rappelle que je les avais importés de Ruby Saphir. Et j'avais été chercher le dernier régie comme ça. Ah, ils sont en platine. Tout est shiny et t'as des chances, je sais pas. Quoi d'avoir un normal? Ah, je crois que ça doit exister, mais. Mon cher Dazur, sache que même la nuit tu te prends la lumière du soleil car la lune n'émet pas sa propre lumière, elle ne fait que refléter celle. D'accord. Et bah, arigato, Nux. Ça me fait plaisir de. Savoir ça. Putain, il veut quoi lui? Quelle traîne ça va? Allez, dépêche-toi. Ah, on est censé y aller? Moi, je voulais faire surf. Ah, oh, j'aurais dû plus XP, pas Mitsuna. Salut Dazur, est par ici. Oh, mais il y a le. Oui, bah oui. Oh, j'aime pas cette salle. Voilà, Pépé. J'amène Dazur comme. Putain, mais quel bâtard. Ah, ils ont fait de l'humour. C'est rigolo. Tu savais pas, Dazur, tu savais pas quoi. Du coup, oui, un vampire ne peut vivre notre monde. Il mourra même la nuit. Oh, c'est triste. Vous l'avez peut-être oublié, mais j'étudie l'évolution des Pokémon. Plus je l'étudie et plus le mystère s'épaissit. C'est un Pokémon évolué blablabla, 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 bla. Doit-on déduire? Oui, blablabla. Oh, là, okay. Oh, on se fait chier là. Hein. C'est là que vous entrez en jeu. On dit que les Pokémon démarrage, blablabla, blablabla, blablabla. Oh, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Oh. Aidez-moi à trouver Pokémon, bla. Minute, je n'ai pas de Pokédex moi. La faute à qui? C'est toi qui as quitté le labo sans me laisser le temps de te donner un Pokédex. Peu importe. Voir des Pokémon de tes propres yeux contribue aussi au développement de tes talents. Mais c'est ridicule. Parce que s'il a filé un Pokédex, c'est aussi pour s'arranger lui. Parce que ça, on fait son taf à sa place en fait. C'est une chance car j'ai besoin que tout le monde. Bref, il y a trois là que le hasard veut que vous soyez trois. Par conséquent, vous allez vous séparer pour visiter. Oh cool. Ah non, je m'en battais les couilles, je t'avoue. J'étais pas. Oui, monsieur. Je veux que tu enquêtes sur le lac Savoir, c'est loin d'ici, quasiment à Frima Peak. La route sera facile, il faudra. Et moi, je vais aller au premier lac du jeu, c'est ça? Ah non, pas du tout. Ils peuvent vivre à l'intérieur, non? Derrière toi, Dazur. C'était con. Oh là! C'est les vampires! C'est fini, personne n'est blessé.
Oh les méchants. Oh les méchants, ils font des choses. La vidéo que vous venez de voir a été enregistrée pour un témoin sur place. Impressionnant. Mais pourquoi la courage? Sortons, je m'inquiète pour la ville. Pas dans les escaliers, les enfants. En plus, c'est comme par hasard mon lac, quoi. Dazer, tu devrais partir maintenant. Cependant, il pourrait y avoir des répliques. Des répliques? Il a dit des répliques? Plic-ploc. Mais laissez-moi vivre! Cette secousse, elle n'avait rien de naturel. Papy, les envoie dans un. Oh la courage, mais pas. Ce qu'elle sera, elle ne tient pas en place. D'ailleurs, je n'aime pas imposer, mais la courage, il y a vraiment. Ok. Bon. On va. Regarder le. La map. Lac Courage, c'est celui-là? Ah non. En tout cas, c'est celui-là. Ouais. On va se téléporter jusqu'à Verchamp. Attends, c'est quoi là-haut? C'est quoi ce truc? Ah, c'est l'île de fer! Mais c'est super loin, en fait! Putain, on a fait tout ça en bateau! Mais c'est trop loin. Alors, dans Platine, tu peux avoir Gératana après la Ligue, Article 1, oh là là, mais mec, j'ai pas tout lire! Oh non, mais c'est fatigant, moi je... Ok, il y a plein de Pokémon, cool, merci. Il y a des Pokémon, c'est bien. J'adore les Pokémon, moi aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir Darkrai maintenant? Est-ce que Darkrai, tu dis, il est pas disponible maintenant? Eh ben, c'est de la merde. Oh les gens, je vous jure, on se téléporte à Voix la Rock machin et on s'arrête. On va s'arrêter là parce que je commence à fatiguer vraiment. Oui, j'ai vu Darkrai, il est après le monde distorsion. Mais moi, je suis pas censé connaître le monde distorsion. Mais regardez, Darkrai il est là dans cette maison, j'ai activé le code, j'ai l'objet sur moi, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas les gars. Je l'ai en lithium. C'était quoi? Il est là, regardez. Croyez pas, elle est là. Ici, c'est ça. Bah au pire c'est la Jean, t'en fous mais... Bon. Je sais pas si c'est très utile de... Voilà. Bon, quittons cette ville avec la musique de dépressif. Pour aller à Verchamp. Oh non, pourquoi j'ai encore envie de mourir avec cette musique là aussi? Mais décidément, y a rien qui va dans ce jeu. Petit combat? En fait, t'as le fils du marin qui fait un cauchemar et il te... Oui, oui, ça aussi, c'est bon, on est au courant, hein. Vous nous spoilez les trucs, là. Ah, oh, il va me bolos, lui, il va me bolos, il est insecte, hein. Il va me bolos, il va... Mais oui, il va me bolos, là. Ah mais je m'en fous, j'ai pas envie de changer. Ah je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de changer de Pokémon.
Bah les couilles, hein. Ouais mais d'ailleurs les combats c'est pas... Vas-y, ta gueule. Aïe, je crois que je vais mourir. Ouais, c'est pas grand tour à survivre. Allez, oh oui, voilà, des attaques nulles comme ça, c'est parfait. Et on le tue maintenant. Ça s'est plutôt bien passé. Oh non. Ah oh bah alors là, mon Gakuba direct. Alors là, faut pas déconner. Oh, ce son. C'est comme de la ASMR à mes oreilles. Ah les gens, vous êtes pas en train de vous endormir vous aussi? Moi c'est catastrophique hein, ce jeu il me... Je suis en train de dodo. Il me donne envie de dodo. Ma copine va me prêter Blanc 2. Ah cool. Bon jeu Blanc 2. Je préfère le 1, mais le 2 est cool aussi. Mais le 1, en même temps, c'est tellement le meilleur jeu au monde. Non, mais j'aime beaucoup Noir et Blanc. Hein. Il va pouvoir une omelette de ouf. Quoi? On va s'arrêter là. Attention, la courage, il est là. Mais j'ai peur que des scènes se déclenchent. On va s'arrêter là. Parce que si des scènes se déclenchent, moi, ça me nique. Mince. Du coup, attendez, il nous reste combien de badges alors? 2 badges. Le badge glace et le badge électrique. On dirait un perso électrique, il a les cheveux jaunes. Je sais, si la dernière arène c'est une arène électrique, c'est cool. Putain, mais regardez les badges de merde là, les machins. Les machins de merde là, ils sont tout le temps en train de se salir. Ça brille pas Dazor. Mais Dazor il t'emmerde, je vous aime à tous. Le rival dans le 2 est sympa quand même. Je sais pas, le chakripon qu'il cherche est plus sympa que lui. Non mais Nox, si je les laisse tel quel, ils vont pas faire des dons après. Je fais ça pour les dons. Parce que Gagnette, il y a Killua, il y a Supa, c'est Yajin, il y a tout le monde qui a dit... Si tu nettoies les badges à chaque fois, à la fin du jeu, on te fera un gros don d'Azur. Chacun. Moi, j'ai dit, bah d'accord, on va nettoyer les badges à chaque fois. Je me rappelle, ils l'ont dit. Hein. Ils l'ont promis. Et surtout que ça a aucun sens. Tu les enfermes dans une boîte, comment ils peuvent se salir à ce point? C'est tellement beau. Ok, je regarderai les redifs des lives que je pourrais pas voir en direct par contre. Ça sent une fuite à l'anglaise. J'ai jamais dit ça. Regardez-moi ça là. Ils sont tous en train de backdash. Oh les menteurs. Et vous croyez que Django il a jamais fait de don aussi quand il m'a donné le Torterra? Bon les gens, sauvegarde, on s'arrête là. Mais les gens, soyez plus gentils sur Pokémon. Hein. Soyez plus gentils. On verra. Oh, je suis fatigué. Le jeu m'a fatigué. Hein. Le jeu m'a vraiment fatigué ce soir.
Et vous aussi, vous m'avez fatigué. Franchement, vous m'avez fatigué aussi. Hein. Autant que le jeu. Bon, les gens, on va s'arrêter là. C'était un live sur Pokémon Platine. Voilà. Salut tout le monde, à la prochaine. Demain, 21h. Bah, ouais, demain, 21h, on continuera. Là, à l'allure où on va, je pense qu'on finira le jeu. Alors, attendez, on est quel jour? On est mardi. Voilà, maintenant, on est mercredi. Je pense qu'on finira le jeu vendredi soir. À l'allure où on va. Bref. Allez, ciao les gens, je vous dis bye bye. Le bye bye les gars, hein, comme dans Dragon Ball. Salut. Janet comme dirait Goku. Salut les gens.